Nous sommes de retour dans cette édition du 6 mars 2024 en direct. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver David Turcage et son chronocac remanié à la sauce iWave. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président d'iWave Capital avec nous le mercredi pour bien commenter notamment l'ouverture de la séance à Paris. Une séance qui sera marquée hein, cette semaine, c'est le discours des grands argentiers modaux qui est attendu hein, aujourd'hui, 16h. Aujourd'hui, Jérôme Powell à 16h, demain Christine Lagarde. Du coup, ce qui sera évidemment scruté, c'est des commentaires à l'endroit d'un éventuel pivot de la réserve fédérale américaine, pivot anticipé pour juin par les marchés financiers, et également demain, pivot de la BCE, pivot anticipé aux alentours de juillet, courant été en tout cas, c'est ce qu'il dit pour la BCE. Du coup, par la force des choses dans cet environnement, eh bien, les indices actions évoluent sur des plus hauts. David, est-ce que ça peut durer selon vous? Alors tout d'abord, on va jeter un bref coup d'œil sur le graphique que vous avez sur les yeux qui permet de, d'avoir un regard attentif sur la probabilité d'évolution des taux Fed Funds de la Banque Centrale Américaine, donc la Fed. Et ce que l'on voit sur ce graphique, c'est que la probabilité pour un pivot de la Fed est en train de se renforcer autour de la période de juin, donc la fin du premier semestre de l'année 2024. Vous vous rappelez qu'en début d'année, il s'agissait d'un pivot autour de mars, que celui-ci n'a de cesse que d'être reporté un peu plus tard. Donc pour l'instant, ce que l'on observe, c'est que selon les marchés et selon la nature de l'économie aujourd'hui, eh bien, la probabilité est assez forte pour que la Banque centrale américaine produise son premier effort en matière de baisse des taux à la fin, sa réunion prévue du mois de juin 2024. Cette probabilité s'est renforcée au cours de ces dernières semaines. Cela dit, on verra bien ce qui se passe en fonction de la robustesse de l'économie au cours des mois à venir, de l'inflation et du chômage outre-Atlantique. Oui, parce que c'est bien toute la difficulté à laquelle fait face Jérôme Powell et les membres hein, du FOMC, c'est que l'économie américaine très robuste, l'inflation repart légèrement, du coup l'inflation core repart légèrement, du coup par la force des choses, c'est pas si évident que ça quand même, un pivot pour juin. Bien pour l'instant, en fait, ce qui est intéressant, alors grâce au taux Fed Funds, qui sont des contrats futurs, il est possible de déterminer, d'avoir une idée de la trajectoire des taux de la Banque Centrale Américaine. Et donc, ce graphique, c'est ce que le graphique se relate et cette probabilité se renforce. Donc, pour l'instant, c'est ce que l'on observe. Bien évidemment, ça sera fonction de l'évolution de l'économie américaine. On voit effectivement que l'inflation est encore présente et pourrait donner encore quelques surprises. Cela dit, ce qui est important de noter, c'est que l'inflation est une variable qui possède une certaine inertie. Et en tous les cas, il y a un véritable retournement à la baisse de l'inflation donc depuis quelques mois. Et pour le moment, compte tenu de l'inertie de cette donnée, il est probable, compte tenu de ce que l'on observe, que celle-ci continue de converger vers la cible de l'inflation de la Fed qui se situe à 2% pour le moment. Donc à part un ou deux mois où effectivement l'inflation pourrait montrer moins de momentum à la baisse, pour l'instant, celle-ci est en train de converger réellement vers la cible d'inflation de la Fed. Oui, très clair. Effectivement, c'est effectivement le cas. Je rappelle quand même à toute fin utile qu'en début d'année 2024, ces mêmes Fed Funds étaient les marchés anticipés 7 baisses de taux au cours de l'exercice 2024. Donc, vous voyez, il y a des réajustements qui sont opérés et donc tout ça reste encore très probabiliste. Il faut juste voir la tendance qui se dégage, mais pas faire des paris sur ces datas-là. Voilà, merci David. On va passer au CAC 40. Le CAC 40, hein, comme tout le monde le sait, qui enchaîne les records, que ce soit en séance ou en clôture, sur fond justement. Alors, c'était pas fond de pivot des banques centrales, hein. C'est vraiment le catalyseur ces dernières semaines, c'est l'engouement, l'euphorie autour de l'intelligence artificielle qui a boosté les marchés ces dernières séances. Là, on rentre de nouveau dans des considérations monétaires, du coup, par la force des choses, on va voir si les niveaux historiques atteints peuvent tenir. Alors effectivement, vous parliez de l'intelligence artificielle et il y a un secteur qui tire
particulièrement, en tout cas aux États-Unis, on va parler du CAC 40 évidemment, mais un secteur qui tire particulièrement les marchés vers le haut, c'est le secteur des semi-conducteurs. Et je recommande la lecture d'un indice qui s'appelle le SOX SO2X et qui permet de voir qu'effectivement, les semi-conducteurs sont très, très prisés pour le moment. Il y a également l'indice de Taïwan, Taïwan grand producteur de semi-conducteurs. Et ces deux indices, donc l'indice de Taïwan et l'indice américain, le SOX, je rappelle en rapport aux semi-conducteurs, tirent très clairement le marché vers le haut, alors que d'autres secteurs sont plutôt en retrait ou le tirent d'une manière moindre. Alors, en rapport au CAC 40 dont on parlait, c'est qu'effectivement, dans ce contexte de pivot monétaire qui va arriver ou ne pas arriver, bon, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a une appétence extrême en rapport à la techno, à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Et tout le marché, enfin la cote en bénéficie à différents égards. En tout cas, le CAC 40, ce que l'on observe, c'est que celui-ci gravite toujours autour de ses précédents sommets historiques. Il est en train de converger vers un niveau théorique que l'on avait envisagé à 1010 points et au-dessus de son support là, qui est cerclé. Pour l'instant, la structure haussière du CAC 40 reste en très bon état. Cette construction est assez saine, contrairement à celle du SP500 qu'on verra tout à l'heure. Et pour le moment, RAS en rapport au CAC 40 qui est très bien orienté pour le moment. Ok, très clair. Donc justement, on va passer au S&P 500. Vous nous dites que la configuration technique est différente. Oui, effectivement, la configuration technique est distincte. Le SP500 évolue à l'intérieur d'un canal déjà haussier. Il en est sorti par le haut, ce qui est un phénomène assez rare et ce qui montre qu'il y a un très, très fort momentum du côté des États-Unis. On observe pardon, qu'il y a une petite structure en forme de drapeau. Et lorsque l'on reporte le niveau théorique de ce drapeau, on arrive à un objectif théorique dans lequel il y a encore de la marge, qui est encore beaucoup plus haut que ce que l'on observe en rapport à l'évolution des cours aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la structure, comme je l'évoquais, vous vous rappelez, il y a deux semaines, du SP500 est tout à fait distincte. La structure des prix, évidemment, est tout à fait distincte de celle qui prévaut pour le CAC 40. Le CAC 40, on est sur une structure saine et beaucoup plus lente. Le SP500, on a des évolutions de manière quasi verticale en un temps très court. Et donc, évidemment, cette progression, je ne dirais pas qu'elle est malsaine, mais elle n'est pas la même construction technique. Et donc, nécessairement, ça la rend plus fragile. Alors, pour autant, le SP500, bien que sa construction ne soit pas, je parle de la construction des prix, soit complètement distincte de celle du CAC 40, entre malsain et plutôt sain, le SP500 reste l'indice phare de la planète. Et à ce titre, tiens, on pourrait rajouter d'autres indices, hein, je n'ai pas évoqué aujourd'hui, mais il y a d'autres indices intéressants qu'il faudrait évoquer, c'est l'indice japonais, l'indice indien, qui sont extrêmement forts en ce moment et qui possèdent des structures quasi identiques à celles du SP500. Et c'est intéressant également de le souligner. Oui, indice. Alors, le Nikkei, notamment, hein, qui a atteint les 40 000 points récemment, un des plus hauts, totalement historique. Ceci étant, à l'endroit de l'indice action japonais, je crois que les investisseurs commencent à anticiper un resserrement de politique monétaire du côté du Japon. Du coup, par la force des choses, ça pourrait créer des tensions au niveau, évidemment, des entreprises et donc par la force des choses, avoir des répercussions sur l'indice Nikkei. On a vu hier, hein, tout symboliquement, quand même, des prises de bénéfices quand même commencent à se faire sur l'indice japonais. Quant à l'indice indien, l'Inde qui a publié ses chiffres pour 2023 qui sont très bons, les autorités locales sont très confiantes. L'Inde, qui est cinquième puissance économique mondiale, quand même, il faut le rappeler, et qui pourrait se substituer à la Chine d'ici quelques années en tant que troisième puissance économique, pourrait devenir la troisième puissance économique mondiale et la Chine régresser. Enfin bref, voilà, l'Inde qui est très bien partie, qui est dans un momentum justement hyper favorable. Donc tout ça, effectivement, c'est extrêmement intéressant à suivre et à comprendre. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. David Turcage, vous êtes président de IOF Capital avec nous tous les mercredis. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. De notre côté, on marque une rapide, courte page de publicité. Et on se retrouve avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara dans un instant. A tout de suite sur TV Finance.